Eh bien, salut tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve sur la suite de cette aventure sur Sunlight and Night Fatabower, épisode 11 de ce Let's Play. J'espère que vous allez bien, moi je vais très 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 bien. Du coup, ça va faire un mois et demi que j'ai pas retouché à ce jeu. Parce que voilà, il y a eu des petites complications, des choses comme ça. Et puis aussi parce que je commençais, bah, je travaillais, je faisais, voilà, pendant 2 semaines je travaillais, après j'avais un petit contrat que ça s'est arrêté. Voilà. Mais après vous êtes peut-être au courant pourquoi ça s'est arrêté le contrat. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur ce jeu. C'est vrai, ça fait bizarre de retourner parce que au bout d'un mois et demi, c'est vrai que tu risques peut-être d'oublier les touches et puis tout ça. Alors, le jour que je tourne la vidéo, on est samedi 1er juin. Voilà, on est un peu le matin encore, hein. Il est 9h57. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Je pense quand vous la verrez, je pense que je serai quasiment à la fin du jeu. Ou j'aurai fini déjà enregistrer tous les épisodes. Il y a peut-être moyen que ça soit comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur ce jeu parce que ça va un peu manquer, hein, pour être franc avec vous, ça m'a tellement manqué. Ouais, c'est pas grave. Je pouvais être un peu plus rapide, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ah! Au niveau combien? Niveau 45? J'ai niveau combien? Normalement j'avais les sabres aussi, je me rappelle. C'est pas grave. Attends. On va prendre un peu plus de chemin, plus rapide. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, ça fait bizarre de retourner sur ce jeu, mais en tout cas. Moi j'aime bien en tout cas Sunlight and Night. J'ai vu que. Par contre, j'ai vu quand même pas mal de retours sur le jeu. Il y a des épisodes que vous avez vraiment plu, des fois non. Ouais, bah c'est mitigé, mais bon. Faut vraiment aimer les jeux. Bah faut déjà aimer le manga, déjà. Le manga Sunlight and Night, il faut vraiment aimer. Et puis après, bah il faut vraiment kiffer des jeux comme ça, quoi. Des sortes de RPG, MMO. Moi, en tout cas, je suis un grand fan de ce jeu. Hein, je kiffe. Allez, dans le donjon. Allez, c'est parti. Oui, en tout cas, moi, je kiffe ce jeu. Et puis aussi, il y a le prochain Sunlight and Night qui va sortir en jeu, mais je sais pas encore quand. Il n'y a pas encore la date de sortie du prochain jeu Sunlight and Night. J'espère qu'il va approcher rapidement, hein, ce jeu. Parce que j'ai vraiment hâte de voir. Bon, en plus, ça va être carrément la suite, même ça va être la suite du manga, ce que j'ai en train de regarder en ce moment en version japonaise, parce qu'il est sorti en japonais pour le moment. Et puis voilà. Ouh, une cinématique, les amis. Ça commence bien ce qu'est l'épisode, c'est l'épisode 11, hein, pour ceux qui se demandaient. Allez, c'est parti.
Ok. Ah oui. Alors, oui, maintenant je me rappelle un petit peu où on s'était arrêté. En fait, on est dans les gros donjons, hein, tout simplement, de la nouvelle mise à jour. On était là pour affronter. En plus, je me rappelle le combat, le dernier combat qu'il y avait dans l'épisode 10. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, je vous conseille de regarder. C'était contre un gardien, en fait. On a été la première fois, on n'a pas réussi. Et puis après, la deuxième fois, on a vraiment soulevé le boss. Hein, et du coup, ça va, on a un peu galéré. Hein, pour être un peu avec vous, on a un petit peu galéré, mais pas beaucoup. Mais ça va, c'est pas mal. Et là, du coup, on est parti voir la mère, hein, tout simplement, de notre IA. Hein, parce que il y a des grosses complications. Et c'est la dernière mise à jour qu'il y a eu dans leur jeu, tout simplement. Hein. Et là, on va voir la grosse récompense qu'il y a. Hein, parce qu'il y a tous les joueurs, quasiment tous les joueurs qui jouent. Dans son monde, hein, tout simplement, je sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'ils l'ont dit, mais j'ai pas fait gaffe. C'est que il y a une grosse récompense pour ceux qui arrivent à finir le niveau, hein, évidemment, qui arrivent à tuer le grand méchant, hein, le gros boss. Et puis voilà, on va voir si ça va être nous. Par contre, je sais plus comment faut faire pour changer d'arme, s'il vous plaît. Oh purée, ça a vraiment changé un peu. Je crois que j'ai perdu tous mes équipements. Parce que je me rappelle, j'avais. Hop là. Voilà, ça va être compliqué, les amis. En plus, avec un rond donjon. Comme elle a dit, hein, perso. Que là, on est vraiment dans un rond donjon. En plus, on est obligé de les tuer, quoi. Oh yes, cool, 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 cool. Vous te rendez compte, un boss tué, c'est quasiment. Ah, bah voilà. Mince. Hop. Voilà, bon, je me suis donné un peu de vie puis tout ça, hein, vite fait. Je sais pas où du tout il faut aller. Ah, ici, c'est par contre, c'est pas mal ça. C'est qui me tire dessus? J'ai rêvé ou. Oui, je crois que j'ai rêvé. Personne qui me tire dessus. Bon, on va aller en face. Hein. Tu. Oh purée. Wouah, t'es sérieux? Oh purée, fuyons, fuyons, pauvre fou. Bon, je vais essayer de chercher. Oh purée, c'est là la sortie. Il faut les tuer. Oh là là là, c'est pas possible. Vous avez atteint une plume d'écriture. Je sais pas si ça va beaucoup me servir. Ah oui. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, le sabre, ça fait beaucoup de dégâts. Surtout le dernier, ce que j'ai débloqué, hein, ce que j'avais acheté. Ah, rappelez-vous, les amis. J'suis en train de galérer. Ah, il faut pas que je meure, hein. Sinon, c'est le premier game over. Mais non, je t'ai bloqué.
Attends, pourquoi j'ai perdu toutes mes compétences? Au secours! Ah, j'ai plus de compétences, j'ai plus rien. Oh là là. Ah ouais, mais ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis. Ça va être un long épisode, hein. Ah ouais, c'est niveau 49, hein. Je crois que j'ai même pas de niveau 49. Mais... Je crois que j'ai niveau, je sais plus. Je crois que je suis même pas dans les 40. Je crois. Oui, encore un. Ouh, un objet non identifié, ça c'est bon ça. Ça veut dire... Ou non. Ça veut dire que je vais bientôt mourir. T'as pas de la vie? Ah merci. Bon, ça m'a rien donné, mais bon, bref. Oh non, Simon, Simon, où es-tu, mon petit Simon? Ah bah c'est bon, on a gagné. Cool. Ah oui, c'est ça. Ah, faut pas que je regarde, faut que je regarde de temps en temps l'heure, évidemment. Ah là là, par contre ça pue, hein. Ça sent l'heure aussi pour moi. Hein. Ici y a rien. Juste regarder vite fait, hein, les amis, s'il n'y a pas de petit truc à ramasser, non, c'est bon, on a rien. Hop, fuyons, fuyons, fuyons. Ah. Ah, ouais, pourquoi pas, ça va être la première fois qu'on est équipé avec Isurki. J'espère qu'il est pas si nu que ça. Hein, on verra. Je crois qu'il m'a eu. Je crois que je me retrouve tout seul. Je crois que je me retrouve tout seul, les amis. Oh, c'est... Ah non, c'est Simon. C'est le boss. J'ai l'impression que c'est le boss. Le mono machin bidou. Ok. Ah, ok, quand j'ai sabre. Ok. Quand j'ai ça, pour les amis, je peux pas mettre de compétences. Allez, viens, on bombarde. Défoncez-le. Bon, c'est vraiment un jeu sympa, hein, les amis. Ouais. Après, j'aime bien quand on galère pas trop, parce que voilà, c'est pas trop marrant quand on galère. On a beaucoup de... Le game over, c'est chiant. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un jeu détente. Hein.
C'est juste pour profiter de l'aventure, quoi. Oh, il est bientôt mort. Il est bientôt mort. Je crois pas c'est un boss. Sinon, vous te rendez compte, toi, le boss, c'est ça? Mais je crois qu'il y a beaucoup de niveaux, en fait. En fait, ça va le faire comme dans Sunlight on Life, dans la première saison. Il va monter par étage, et à la fin, bah, on affrontera le grand méchant. Je sais pas, on verra. Ah, ça y est, il est mort. Oh, 10 000 points d'SP. Ça, c'est bon, ça. Ah, je crois qu'il faut repartir. Ah non, j'ai fini. Non? Non, je suis pas fini. Pourquoi il me tire dessus, eh? Bon, on va juste regarder un peu partout vite fait. S'il n'y a pas un petit coffre. Qui en effet activé, ouais, ok. Non, il n'y a pas de coffre. Dommage. Alors, je sais pas si c'est un boss que j'ai tué. On verra. Ah si. Ouais. Ouh, un petit coffre intéressant ça là-bas. Voilà, pistolet, cool. Il faut descendre. Voilà. Hop. La porte s'est ouverte. Toc. Toc. Ça c'est un... Voilà, un déplacement rapide. Cool. Ça fait plaisir de voir ça. Ça veut dire qu'on est pas trop loin du le boss normalement. Quand on voit des trucs comme ça, c'est sur le bon chemin. Hein. Niveau comment 48, où tu as un boss de 50 et niveau 48, c'est rien. Ouais, faut vraiment que je monte un peu le niveau. Bah, niveau. Non, ça va être niveau, j'ai pas besoin de monter. C'est juste pour. Bah, si en fait, vous, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, je vous conseille de regarder les premiers épisodes pour mieux comprendre l'histoire. En fait, chaque niveau peut prendre des XP, mais après, pour les prendre pour le personnage, en fait, faut sortir de la zone et ça valide tout seul, en fait. Je crois que je suis au niveau 35 ou un truc comme ça. Bon, après, c'est sympa. Ici, il y a juste un petit coffre. Que je récupère quoi? Débris de pièces. Non mais franchement le jeu il est trop bien, j'adore Sunlight on Life. Oh purée, je suis obligé de les tuer. Non, non. Oh non. Bon, faut attendre Simon. Ah, je pense pas, je vais faire en. Je pense que je vais faire en deux parties, les amis, hein, ce donjon. C'est là. Voilà, ça, il est mort, oui. Non, il est pas mort. Voilà, ouf. Ah, ça y est. Alors,
Ouh, ça sent un boss, à bientôt. Il faut monter. Il y aura un personnage à parler. Je sais pas si ça va être tout en haut, si c'est... Je sais pas. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé la porte. J'ai trouvé la porte. C'est ici, non? Ah non, c'est où? Ah si, c'est là. Ouais, c'est au côté. Faut que je tue tout le monde. Faut que je tue tout le monde. Allez, meurs. C'est compliqué. Ça risque d'être compliqué, les gars. Ça risque d'être compliqué. Bon, ça va être un nouvel épisode, les amis, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Tiens, il s'est redonné de la vie, lui. Ah, ça y est. Yes. Du coup, il manque un ennemi à tuer, quasiment. Voilà. Bah, il manque deux machins là-bas. Puis après, c'est fini. Ok. Voilà, ça va être chaud. Et mince. Pour
Allez, allez, allez. Allez, vas-y. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Allez, vas-y, go, 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 go. Yes. Ah, c'est chaud, hein. Ça commence à être un peu tendu, tendu, hein. Bon, il fallait. Là, il n'y a rien. Ah, si, il y a un point de. Un voyage rapide, ça c'est cool. Bon, ici je pense qu'il y aura une petite cinématique. Ouais. Bon, ah, ça y est, on vient de finir l'endroit, ça c'est pas mal. Niveau 33 j'avais, ok, je passe au niveau 33. Ah oui, au fait, j'étais vraiment pas dans les 40 quoi. Ah bah, je crois que les amis, on a terminé la première zone. En fait, je crois que dès qu'on va récupérer la clé, en fait, c'est comme, comme qu'on avait fait pour le gardien, en fait. Dès qu'on a eu moyen pour le tuer, bah, on est revenu. Bah, là, c'est. Dès qu'on a trouvé une clé, bah, en fait, on va revenir là-bas. Et je pense que ça sera dans le prochain épisode qu'on va faire ça. Hein. C'est là, l'épisode qui dure à peu près dans les. Ouais, il dure quoi, à peu près dans les 30 minutes, là, maintenant. On va voir. C'est vrai, pour ceux qui me suivent depuis le début de ce aspect, il y a des fois il y a des épisodes qui durent un peu plus longtemps que les autres. Hein. Mais bon, c'est pas grave ça. Ah, demander à Ergo, ok, comment les profondeurs, nanana, ok. Bon, les amis, nous on va se laisser ici, j'espère que ça vous a plu cet épisode, les amis, et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir la suite de cette aventure. Allez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, les amis, pour le soutien, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous laisse. Ici, puis on se retrouve dans le prochain épisode, les amis, très prochainement. Allez, salut tout le monde, bye bye.